Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler des Impériums déclassés, ceux qui tombent grâce à un matchmaking avantageux sur des non Imperium, voire des petits B. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez tout. Les guides, les tips, les leaks, les tutos, tous les pronostics, tout est sur le Discord. Les amis, donc je vous le disais, on va parler des impériums dont on parle peu, surtout quand il y a le méga combat de KvK en cours avec le 13-65, le 18-46, le 24-89, le 11-75, le 10-79... Bref, le plus gros KvK en cours, bientôt va y avoir celui du 1960. Mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais prochainement. On va donc en profiter pour faire un petit tour de tous les KvK en cours et surtout les plus intéressants, ceux qu'il faut suivre. Alors on commence par l'hymne héroïque, on ne perd pas de temps. Il y a beaucoup de KvK qui ont décidé, de royaumes qui ont décidé d'aller en hymne héroïque, hein, un KvK classique. On ne peut pas regarder avant le 24 ou le 26e jour puisqu'il y a la brume. Il y en a peu de vraiment intéressants dans cette liste-là. Alors évidemment, je les ai tous regardés avant cette vidéo. On se retrouve avec vraiment beaucoup, beaucoup de nouveaux royaumes qui arrivent pour la première fois sur de la saison 4 ou des royaumes dont c'est le deuxième ou troisième KvK seulement en saison 4. Tous ces royaumes-là sont qu'à 4 jours. Ils ont eu le même pop que le 1365 et surtout on retrouve dans cette liste, j'ai été surpris de voir le 1307, le 1307 c'est les 1AVG. Ils sont à 4 jours, 14h53 minutes et 10 secondes. Ils se retrouvent. En binôme, c'est étonnant. On a un Imperium qui est en binôme avec le 29-23. Le 29-23, c'est les L23V. Alors, personnellement, je ne les connais pas et ils n'ont jamais fait de grosses performances en Ligue Osiris. Donc, jamais entendu parler de ce royaume qui a 454 jours seulement qui est allié donc à un royaume à 1707 jours, donc pratiquement même 4 fois plus ancien que ce royaume-là. Et regardez, le 1307 au KLM, il se retrouve face au 1802-1945, 1525-2949 et 1818-2975. C'est intéressant ce matchmaking, regardez, on a un royaume ancien, un récent, un ancien, un récent, un ancien, un récent, et... Deux anciens, deux pseudo-anciens, deux intermédiaires. C'est intéressant de voir le 1945 aussi hein, des IDN se retrouver ici. Mais en tout cas, tirage très favorable pour le 1307 D1AVG. Est-ce qu'ils vont réussir à retrouver leur splendeur d'antan, à gagner ce KVK et à obtenir beaucoup de migrations, puisqu'on le sait, hein, avec le nouveau système de migration inter-KVK, beaucoup de royaumes perdants dans cette liste. C'est hein, si le 1307 gagne. Voudront rejoindre le 1307 encore une fois s'il arrive à sortir de son statut impérium, donc intéressant à faire à suivre. Mais forcément, ce royaume hein, et le 1307 et ce KvK, le C12046, hein, se fait voler la vedette par le méga KvK dont je vous parlais. On va pas revenir dessus. Il y a d'autres KvK qui ont été lancés juste avant, hein, vous le voyez en haut jour, et il y en a un tout particulièrement intéressant. Qui a une couverture médiatique aussi hein, suffisante. Vous allez le voir, on va le retrouver. Je crois qu'il est dans les derniers. Il est à 32 ou 36 jours. Déjà, on a le 17-71, hein, qui est un Imperium, un tout petit Imperium des 71 HP, qui ne s'est jamais vraiment illustré. Mais qui, par sa puissance, hein, est dans le classement des petits Imperiums. Il est dans le top 40. Il doit être sur la fin de la liste des Imperiums. Et regardez, à 39 jours, 14h55 et 20 secondes. On a le royaume 30-35 qui est le seul rescapé Imperium et qui était même le seul Imperium si je dis pas de bêtises au début de ce KvK, il a une couverture médiatique évidemment assurée par Foxy Rock, hein, un streamer français bien connu je suis sûr que vous connaissez tous et regardez on a donc le 3035 qui était tout seul face à tous les autres, enfin pas tout seul face à tous les autres, qui était tout seul dans sa zone contrairement aux autres petite correction qui eux étaient tous en binôme mais forcément le 3035 est un bon Imperium, un bon Imperium qui pourrait encore grossir, mais qui va peut-être se heurter hein, face à la jeunesse de son royaume et sa candeur. Il faudrait qu'il commence à avoir ou qu'il est. En plus, il continue d'avoir des grosses migrations. Et regardez, il hein, n'y a pas eu de surprise. Sur ce KvK hein, qui est euh, à présent hein, sur sa fin, le, euh, le 30-35 hein, a roulé sur toute la terre du roi. Hein, il a bien couvert la zone et à ce stade-là, tout est déjà plié à 39 jours. Hein. Il n'y a plus de surprise, la zone ne bouge plus et la zigourate est tenue par justement le 30-35, hein, tac pas de surprise à ce stade-là. Hein. L'alliance, les K35, hein, la coalition du K35 hein, qui regroupe deux alliances à 10 milliards, une alliance à 7, 5 et 5 milliards. Bref, du très très lourd à ce stade-là. Il n'y a pas eu de surprise sur ce KvK. Il a déjà été relativement couvert. On ne va pas revenir dessus. C'était pour fermer la liste des royaumes qui étaient en hymne héroïque. Celui-là n'est plus à suivre puisqu'il est fini. On passe à présent à la lutte des 8. Vous allez le voir, il y a quelques autres surprises. La lutte des 8, un seul royaume actuellement en lutte des 8. Il est à 18 jours. Et regardez le nombre de royaumes. On se retrouve à 8 territoires avec chacun 3 royaumes. Assez hallucinant. 24 royaumes, ça va être un énorme bordel. Et que des petits royaumes. Donc, enfin des petits royaumes. Des royaumes non impériums. Donc, pas de déséquilibre apparent à ce stade-là. Quoique, il y a quelques royaumes coréens dans la liste. Hein, et à mon avis, c'est du gros B. Ça va faire mal. Conquête du désert. Pareil. Aucune inscription en conquête du désert. Contrairement à Roi du Nil. Où, où il y a. Ah, je pensais qu'il n'y en avait que 4. Mais non, il y en a un peu plus. Regardez. Ils ont pratiquement tous commencé en même temps. Même ils ont tous commencé en même temps. Si je ne dis pas de bêtises. Ils sont tous à 4 jours. C'est bien ça. Et on a dans cette liste un seul impérium. Le 2381. Il y a eu de la chance quand même sur le tirage. Le 23-81 des BT. Les BT ont fait une, une bonne première partie de Ligue 7 Osiris avant de se faire sortir. Alors on ne les a pas vus bien loin, mais c'était notable en tout cas puisqu'ils sont sortis des poules. Les 23-81 qui se retrouvent donc dans le camp bleu sur la zone numéro 2, si je dis pas de bêtises. Et en allié avec le 29-81, encore une fois, hein, des royaumes plutôt anciens et des royaumes... Des royaumes plutôt récent, pardon, avec quelques royaumes anciens, le 17-18, le 18-11, 18-40 et le 1303, qui s'est un petit peu perdu, puisque le 1303, il a 1709 jours. Ce qui est assez hallucinant. Quand un royaume comme le 2971 est à 405 jours, c'est vraiment une dinguerie. L'écart entre l'utilisation des commandants disponibles hein, qu'il doit y avoir entre ces deux royaumes, puisque un commandant, un royaume comme le 1303, lui, a censé avoir les derniers Gorgolucci, mais le 2981, lui, ne les a pas. Donc, forcément, c'est bridé. Ils ne peuvent pas utiliser tous leurs commandants. Alors, la conquête du désert, c'est un KvK. Un petit peu mal aimé parce que comme vous allez le voir, les cartes sont immenses. Lilith a tenté de faire pas mal d'adaptations sur ce KvK. Alors là, on est qu'au début. Hein. Et pourtant, de mon point de vue, ça reste quand même un KvK relativement éclaté. Si vous l'avez jamais fait, hein. on retrouve le même système. On est qu'à 4 jours. Hein. Donc forcément, ça vient que d'être pris par la coalition. Hop là, le système de coalition est pareil. Au départ, on se retrouve à 3. Vous le voyez, hein. on est sur du non-imperium, dont excepté l'un. Donc on est sur du plus petit royaume, mais les zones sont immensissimes. Regardez comme c'est grand. Franchement, avec plein de parties. Ce KvK là, je ne l'ai jamais fait. J'en ai, ai déjà suivi plusieurs. Je vous en ai fait des vidéos. Mais il ne me donne pas du tout envie. Il me paraît totalement éclataxe au 28e sous-sol. Je vous déconseille de le faire peut-être pour le fun une fois. Mais franchement, c'est long et c'est relou ce KvK. On continue donc sur les KvK en cours, roi du Nil, Siège d'Orléans. Alors, Siège d'Orléans et Guerrier libre sont deux KvK qui ont vraiment beaucoup de succès. Et pourtant, il n'y a pas tant de royaumes inscrits que ça. Il n'y a pas eu de nouvelle inscription. Pourquoi il n'y a pas eu de nouvelle inscription Parce que Lilith, lors du dernier pop-up, n'a pas donné la possibilité de s'inscrire en Siège d'Orléans. Tout simplement. Donc, on se retrouve avec les KvK qui ont déjà 18 jours. Et regardez. Encore une fois, des Imperiums bien chanceux au tirage. Le 26-14 avec les DVL qui se retrouvent tout seuls et donc favoris dans leur zone. Forcément. Et en phase avec eux, ou en phase 2 plutôt, en 18-42, qui est avec le 26-85. Ils ont le 18-42 qui est un Imperium aussi. Les 42. Tirai V, Alliance vietnamienne, hein. apparemment les anciens VN, ou du moins dans leur nom. Franchement, le 26-14, gros, gros chanceux sur ce tirage-là. Mais ce n'est pas les seuls chanceux. Vous le voyez, hein, sur les royaumes qui sont... Alors, s'il y avait que lui à 18 jours, les autres sont à 32 jours, donc ils ont fini. Hein. On a... Regardez combien il y a de royaumes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 26, 28, 30, 32, 34. 36 royaumes sur ce KvK. 36 royaumes. Franchement, clairement, c'est n'importe quoi. Personne n'a jamais demandé à avoir autant de KvK. Surtout, il doit y avoir pas mal de royaumes qui sont des royaumes morts sur ce KvK. Puisque je vous le rappelle, même un royaume mort est inscrit automatiquement au quatrième pop de KvK, comme ça a été le cas sur mon KvK. Pareil, on a beaucoup de royaumes ici, pas d'impérium qui a eu de la chance, beaucoup de royaumes, beaucoup de royaumes, tous ces KvK là sont sur leur fin et vont devoir recommencer leur KvK prochainement ou skipper. On passe à Guerrier Libre, beaucoup de succès pour Guerrier Libre d'habitude, mais là il n'y en a que trois. Pourquoi C'est très simple, simple, la même raison, il n'y a pas eu de proposition par Lilith, hein, puisque tout le monde va sur ou presque va... Sur les euh, guerriers libres hein, ces derniers temps ou sur le siège d'Orléans, comme vous le voyez. Hein. Dès que c'est possible, tous les royaumes y vont. Même moi, j'aimerais aller sur ces KvK-là. On finit avec Tempête de Stratagème et Rezac de la guerre. Alors, ça va être très simple. Pour Tempête de Stratagème, regardez, on en a plusieurs qui sont inscrits. Mais aussi depuis 18 jours, la même chose. Lilith ne les a pas fait. Pop lors de derniers, des derniers pop. Hein, on n'avait pas la possibilité de s'inscrire. Donc on n'est qu'à des royaumes qui se sont inscrits il y a déjà 4, 3 semaines pratiquement. Hein. C'est simple, hein, vous voyez, pas d'imperium excepté le 2133 DRK33. Un tout petit Imperium, aussi dans le dernier quart des Royaumes Imperium. Et Rézac de la Guerre, hein, qui lui n'a aucun inscrit. Tout simplement. On n'a pas de royaume qui a pu s'inscrire car le pop-up n'a pas eu lieu. Alors, si on prenait les paris, on retourne, voilà, j'ai tout refermé d'un coup. Si on prend les paris, tac, on referme, tac, on referme et tout est fermé. Si on prend les paris, donc, le 1960 devrait avoir le choix. Si Lilith ne leur met pas de héroïque en thème, devrait avoir le choix sur siège d'Orléans, guerrier libre et ressac de la guerre. À mon avis, ils vont être sur ces trois-là. Peut-être vont-ils tester un Rezac de la Guerre s'il est dispo. Sinon, il va rester en maintenance. Moi, je parierais sur soit Rezac de la Guerre, soit Guerrier Libre. Guerrier Libre, c'est un excellent KVK dans les gros royaumes hein, qui doivent aussi s'inscrire. On en a plusieurs puisque, regardez, si on retourne là-dessus et qu'on va sur, alors, voilà, sur le C2045, hein, si on exclut le 2489, le 1365, le 1175, le 1079 et le 1846, que nous reste-t-il comme très gros royaume On a le 1093, on a les One V, le 1034, on a bien évidemment le 1960 qui reste. Évidemment, je dois en oublier d'autres, hein, mais c'est les trois premiers qui me viennent en tête. Donc ces trois royaumes-là peuvent potentiellement, s'ils s'inscrivent tous en même temps et tous au même KvK, tomber tous ensemble et le quatrième qui tomberait contre eux. Peut-être comme les malchanceux, comme le 18, le 11-88 par exemple. Ou le 1079 79 ou le 11-75 tombés contre ces méga-royaumes. Et d'ailleurs, le 10-79 est passé Imperium. Si je dis pas de bêtises, il ne l'était pas au moment du pré-KvK. Ce qui veut dire que la création de troupes durant le pré-KvK l'aurait fait passer Imperium. Mais bien évidemment, c'est à vérifier. Encore une fois, hein, le 1307 des 1AVG va-t-il perdre son statut d'impérium durant ce KvK À mon avis, mon avis. Hein, ils risquent, ils ont de très grandes chances de gagner, tout comme le 2489. Les amis, il y a bien évidemment d'autres KvK, je vous ai montré que les saisons de conquête, hein. le, les lumières et ténèbres, il y en a très peu. Il n'y en a que 4 en cours, rien de dingue, il n'y a pas de dinguerie là-dessus, hein, puisque si vous le voyez, hein, la liste des royaumes, Lilith équilibre très bien cela avec chaque fois. Seulement deux Imperiums, On est à présent sur les royaumes 3000. Aucun autre ne peut être dans ces KvK-là. Les saisons 2 sont les, les royaumes actuellement très intéressants puisque c'est des royaumes avec des gros potentiels. On a le 32-33 qui risque d'écraser tout le monde. Et surtout, on en a un à suivre, hein, particulièrement le S2-11-43 où on a trois Imperiums, le 3222, le 3217 et le 3212. Alors, ces royaumes-là vous disent rien pour le moment. Les 2 TB2, les 17 C et le 32 12, hein, le plus gros d'entre eux, les V12, le favori de ce KvK. Moi, je parierais sur lui pour la victoire. 29 jours, 15h, 6 minutes et 9 secondes. Forcément, ils sont tout proches de la fin du KvK. Vous allez voir. Ce sont des gros impériums en devenir s'ils si gagnent et que ça se passe bien. Ils sont positionnés. Regardez, ils sont en rose. Ils ont pris toute la zone Zarat hein, des deux côtés avec leur alliés. Ils ont pris Dimbroko évidemment. Ils ont pris Kalcha évidemment aussi. Et ils se retrouvent bien positionnés sur les terres du roi. Ça va être un très très gros combat sur cette zone là. On retourne hop, sur la saison 2 et on retourne sur... Non, liste des royaumes perdus. Sur le deuxième gros KvK avec ses trois impériums. Là encore une fois, le 3202 des HK2 devrait avoir gagné ce KvK si les choses ont été faites correctement. Regardez, si vous ne l'avez pas suivi, on va le voir tout de suite. Hein. Évidemment, c'est lui qui a gagné le KvK. Donc, ils vont peut-être devenir... Encore plus gros et faire d'eux un très gros futur impérium. Il va falloir attendre la saison 4, donc encore si je dis pas de bêtises, hein, si leur pop de saison 3 arrive vite, hein, d'ici 3 mois, on en sera plus de ces royaumes émergents. Voilà bon, écoutez les amis, c'est tout pour les KvK en cours à suivre. Hein. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock